accusé mon fils de trafiquant de drogue, alors il n'a jamais été, son casier, il est comme mettre le, ou le confirmer, son casier, il n'y a rien du tout dans son casier, quoi. Et ils peuvent dire ce qu'ils veulent, là, moi, pour moi, mon fils, c'est pas un trafiquant de drogue. Est-ce que c'est une question de bataille de territoire par rapport à un trafic de stupéfiants? Je n'ai pas la réponse au jour d'aujourd'hui. Qu'il y ait un fond d'activité illicite, c'est possible, mais pour autant, ça n'en fait pas la motivation nécessairement de cet assassinat, en fait. On n'est pas du tout dans un crime qui a été mûrement réfléchi, froidement programmé et exécuté dans des conditions qui pouvaient permettre à son auteur de rester impuni. Là, c'est un crime commis à visage découvert devant témoins, un crime d'impulsivité, de réaction et certainement pas un règlement de compte programmé. L'accusé assume ses responsabilités et toute la difficulté de ce procès, ça va être de comprendre justement comment un tel drame a pu arriver. Et je crois que l'erreur, ce serait de considérer ce dossier comme un dossier emblématique des règlements de compte qui endeuillent Marseille depuis trop d'années.